Bon, maintenant, allons-y pour le son 200, là. Mais là, cette fois-ci, OK, je vais j'aurai pas le choix d'utiliser ma mochon. Il va être essentiel au combat. Parce qu'il fait anti-barrière plus, il fait parfois disparaître 3 barrières. Il va être très important. Si jamais la tasse accentue ses entraves après la moitié des tours. Vu que je vais utiliser retard d'entrave avec plus 5. Et tous les items, bien entendu. Si jamais vous n'avez pas ce Pokémon, vous pouvez toujours utiliser K-Morse, qui a le même talent. Sinon, il n'y a pas d'autres Pokémon qui ont des anti-barrières plus. Sinon, vous avez comme des substitutions, par exemple. Substitutions comme Kyoflog, qui remplace parfois quelques entrées par ce Pokémon, ce qui peut être bien utile. C'est bien sûr qu'il y en a. Si bien sûr il y a des blocs cassables en dessous puis que t'as genre un ou deux flogs bien alignés, ben ça va te faire un alignement de trop de 4 flogs en même temps. Ça va te faire un combo supplémentaire. Bon, allons-y, c'est parti. À l'échelon 150, j'ai carrément démoli l'échelon. Est-ce que ça va être encore le cas là? Important de bien prendre son temps. J'ai juste une seule chance. Il faut que j'en profite. Bon départ, gardez ça un départ avec 13 combos. Wow! What a tau!
pourquoi? Pourquoi il fallait qu'il y ait autant de PV? Pourquoi? Pourquoi? C'est abusé. Tu sais, je suis là, ça y est, vas-tu crever à un moment donné? Tu sais, c'était ma seule chance de pouvoir réussir. Il faut que je rate de tout ça. Tu aurais pu me laisser une petite chance. Bon ben au revoir le 3 niveaux max. Bon ben on se reviendra pour le Pokémon du jour demain. Pokémon spécial du jour, numéro 3. Bon, je vous souhaite à tous bonne journée et à une prochaine fois.